Bonjour à tous, c'est General Roman. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Lego Star Wars Yoda 2 pour le deuxième épisode. Aujourd'hui, on va faire des niveaux avec seulement Dark Vador. Donc, je pense que l'épisode s'appellera La colère de Dark Vador. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Donc, on est sur Kashyyyk avec donc Dark Vador. On avait 5 vies, maintenant on en a 4. Et donc on va affronter ces rebelles, clones, etc. Donc là j'ai récupéré de la vie. Alors attendez juste. Ah, je peux pas baisser le son. Je regarderai après si je peux baisser un peu le son. Parce que c'est un peu fort. On a presque fini donc le premier niveau, donc le bronze. Voilà, on a tué un clone pilote. Oh, j'ai raté le rebelle. Et voilà. Wouhou. Premier niveau fait. Non, on remet. Non. Bon, bah c'est pas grave. Donc j'espère que vous m'entendez bien quand même. Non. Donc on va continuer avec Dark Vador. Pour ce deuxième niveau. Cette fois, on doit récupérer 200 holocrons. Avant, c'était 100, maintenant, c'est 200. Ah, je l'ai raté. Affronter la colère de Dark Vador. Ah, j'ai plus qu'une vie. Ah, je suis mort. Ils m'ont eu. Bien joué. Donc on va retenter. Affrontez-moi. Vous ne pouvez rien contre la colère de Dark Vador. C'est un carnage pour les rebelles. Comme dans Rogue One. Enfin, les rebelles, là, il y a des clones également. On peut imaginer que c'est des clones qui se sont rebellés. Ah. Victoire, ça y est. Affronter la puissance du Seigneur Vador. Donc voilà, on a fait l'argent. Donc maintenant, on va essayer de faire le dernier niveau, donc l'or.
c'est des épisodes qui dureront pas très très longtemps. Hein, je vous préviens. Donc j'avais envie de commencer par Dark Vador puisque c'est le personnage le plus emblématique de Star Wars et mon personnage préféré. Donc tant qu'à faire. Pour ce premier épisode, on fait que un seul personnage. Ah mince. Je suis mort. Donc comme on peut voir sur le décor, il y a de la végétation, il y a des espèces de radars, enfin non, des antennes, des paraboles, il y a des véhicules crachés, il y a même des espèces de tourelles hautes rebelles, des arbres là, là voilà une tourelle là, comme vous pouvez voir. Donc cette fois, il nous faut 300 holocrons. Ah. Oh là, il m'a eu, il m'a touché. Donc je rappelle, hein, ma vie est en haut à gauche. Donc là, j'ai 3 cœurs, donc 3 vies. Oh non, j'ai raté le saut. Allez, on y retourne. Affronter le seigneur noir des Sith. Le seigneur Vador. Périrez. Oh là là. Vous périrez. Quoi? Oh non, j'ai encore raté mon saut. Mince, je me suis trompé. Allez, on y retourne, cette fois on va y arriver. Le seul truc dommage, comme je l'avais dit, je crois, dans le premier épisode sur le jeu, c'est qu'il manque des personnages. Donc ce serait cool, genre une mise à jour avec plein de personnages, de la postologie et tout. Ou un épisode 3, un 3. Un Lego Star Wars Yoda 3. Oh, j'ai cru que j'avais raté mon saut. Ça serait, je pense, très cool. Surtout qu'il manque quand même des personnages assez importants, genre Yoda, Obi-Wan, Anakin. Ces personnages en plus de véhicules, genre qu'on puisse utiliser les TBTT et tout, ou les TRTT, franchement, ça serait mieux. C'est les sauts, surtout dans ce jeu, qu'il faut faire très attention. Non, non, non. J'ai plus que 2 vies là. On y est presque, on y est presque. La colère du Seigneur. Vador est avec nous. Ah, j'ai échoué encore. J'ai été presque là, bon sang. Bon. Dernière tentative. Hein. Parce que comme je l'ai dit, c'est des vidéos assez courtes.
Et si on n'y arrive pas, et bien ce sera pour le prochain épisode sur Dark Vador. Donc le prochain épisode, la colère de Dark Vador. Et si j'y arrive, bah de toute façon il y aura d'autres épisodes. Même si on finit les niveaux, après on peut toujours essayer de battre notre record et tout. Ce qui est assez cool. Non 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 non. Non 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 non. Périssez, sale rebelle. Pour l'Empire. For the Empire. Dead of the Rebellion. On y est presque, on y est presque. Pourquoi la barre de Locron elle est complètement disparue? On y est presque, on y est presque, on y est presque. Oui! On a réussi! La colère du sage Vador a été plus puissante que ses rebelles. Donc, on a fait les trois niveaux de Dark Vador, donc le bronze, l'argent et l'or. Donc pour Dark Vador, c'est fini. De toute façon, pour les prochains épisodes sur Dark Vador, on essaiera de battre mes records sur ces niveaux, hein. Voilà. Et on fera d'autres personnages. Je pense que la prochaine fois, ce sera un personnage du côté lumineux. Je pense, hein. On verra bien. En tout cas, je vous laisse avec Dark Vador. Donc, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu. Donc, c'était General One. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao. Bye bye.